Alors on va continuer maintenant notre petit tour de l'équipe des bénévoles et on va aller vers un stand qui n'a pas arrêté de la semaine, le stand des crêpes. Alors suivez-moi, vous allez voir, c'est par là. On les devine un peu au loin. Elles ont déjà fait chauffer les crêpières pour cet après-midi. Elles sont trois là, d'habitude elles sont plus nombreuses. C'est un peu les stars du tournoi, hein, il faut le dire, en dehors des joueuses. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Alors vous êtes déjà en place alors que les matchs c'est pas avant 14h aujourd'hui, comment ça se fait ? On fait un petit peu d'avance pour ne pas être débordé quand tout le monde va arriver. Oui, parce que les crêpes, c'est un succès assez franc ici, là, cette année. Et cette année, il est certain qu'on fournit à peine. Hein. C'est-à-dire, on en est où, là, dans les chiffres ? Bon, je ne sais pas trop, mais je sais... En nombre de crêpes ? Ça fait 300 crêpes par jour, en gros. 250 à 300. Ah oui, quand même. Et est-ce qu'il y a des parfums qui partent plus que d'autres ? Chocolat et cette année caramel ont un grand succès. Oui, oui. Et qui est-ce qui choisit les parfums, enfin en tout cas les types de crêpes ? C'est fait à l'unanimité ou alors c'est vous les spécialistes qui décidez ce qu'on va mettre dans les crêpes ? Ah non, 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 c'est le client entre guillemets qui choisit. Oui, mais alors décider de mettre beurre sucre, caramel beurre salé par exemple cette année, c'est parce que vous aimez bien ça ? Oui, 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 bah oui, puis c'est bon. Voilà. Le caramel va bien avec les crêpes. Seriez pas un peu bretonne, vous, là, dans l'âme ? Un petit peu. Et ça fait combien d'heures debout derrière les crêpières, alors, sur une journée ? Bah, toute la journée, jusqu'à, je sais pas, 9h le soir, 21h. Vous faites des pauses, quand même, rassurez-moi. Non. Mais c'est presque de l'esclavagisme. On est enchaîné à nos crêpières. Ah oui, donc vous essayez de me dire qu'il y a des chaînes en bas qu'on voit pas, elles sont cachées ? Ouais, tout à fait, tout à fait. Vous avez les pieds attachés ? Je fais des pauses parce que je suis chauffeur aussi, alors ça me change. Ah oui, au volant et au fourneau, les deux. Et alors, est-ce que quand même vous avez le temps de manger quelques crêpes ? Oui, on s'en offre et on lui fait peut-être un petit peu mieux d'ailleurs que pour les autres. Bon, bah alors ça, on ne le dira pas trop fort. Il y a des ratés des fois. Alors on les mange, les ratés. Bah vous ne faites pas exprès de les rater, j'espère. Non, mais il y en a très peu hein, de ratés. Ah bon, ça va, alors vous me rassurez. Bon, bah écoutez, je vous laisse continuer à préparer les crêpes pour cet après-midi. Je vais passer vous voir, hein, parce que je vais voir si elles sont bonnes quand même. Bonne journée.